Voilà, schönen guten Mittag. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous avons eu un conseil de gouvernement ce matin qui vient de s'achever, où nous avons discuté d'une série de points que vous retrouverez dans le rapport écrit, mais il nous tenait à cœur et c'est pour cela que j'ai demandé à M. Tourmes de faire un briefing de cet après-midi afin de contrer les soucis liés à la hausse des prix de l'énergie en ce moment. Et cela concerne un grand nombre d'entreprises, mais également et surtout beaucoup de citoyens et de citoyennes. Cela a créé des peurs et nous voudrions communiquer à ce sujet. Je dois vous dire que nous comprenons fort bien ces soucis et il faut les prendre très au sérieux, car ce n'est pas pour rien si au mois d'août j'avais déjà convoqué les partenaires sociaux pour des discussions bilatérales. Je les ai invités au ministère de l'État afin d'avoir la possibilité de préparer en amont avec eux la prochaine tripartite. Le gouvernement s'est réuni ce matin et nous avons discuté de la hausse générale des prix et surtout aussi des prix élevés de l'énergie. Pour procéder à un échange, j'ai décidé également, et M. Tourmes est tout à fait d'accord, vous savez que ces dernières semaines, ces derniers mois, et même aujourd'hui, le point Covid était à l'ordre du jour tous les jours, et l'énergie sera dorénavant aussi à toutes les réunions à l'ordre du jour de notre conseil jusqu'à la fin de cette crise liée à l'énergie également. Nous savons que l'automne et l'hiver sont à nos portes. Nous avons profité de l'été pour nous préparer à la saison plus froide. La sécurité d'approvisionnement est et reste notre première priorité. Le ministre de l'Énergie vous fera ensuite, au fond, un bilan général et une appréciation complète aussi de la situation actuelle et précisera comment se passe la fourniture de gaz et d'électricité pour les clients luxembourgeois, quelle est notre situation plus particulièrement. Et d'un côté, le blackout et la grande peur qu'il n'y ait plus d'énergie du tout. Puis encore un autre point très important, celui du prix. Le fait est là, l'énergie doit rester abordable pour tout un chacun. Et le gouvernement prévoit des aides efficaces et rapides et concrètes à tous ceux et celles qui doivent faire face à la situation actuelle. Nous le faisons, et j'insiste sur ce point, comme déjà au printemps, en collaboration avec les partenaires sociaux. Vous savez que le gouvernement et les partenaires sociaux se retrouveront le 14 septembre à la suite des réunions dites bipartites qui ont déjà eu lieu pour discuter notamment des chiffres actuels. Pour moi, c'est une prémisse très importante qu'au niveau de l'analyse, nous soyons tous d'accord sur le point de départ de nos échanges. Et j'ai informé ce matin le Conseil de gouvernement que j'ai bloqué les 18, 19 et 20 septembre déjà pour commencer la tripartite officielle à proprement parler. Le dialogue social est un élément important du modèle de succès et de réussite au Luxembourg. Bon, je ne veux pas maintenant citer différents pays, mais quand je regarde ce qui se passe en Europe, ici au Luxembourg, quand même, nous avons un modèle de succès social-économique qui assure une stabilité économique et politique aussi. C'est un facteur de compétitivité qui est très important, il faut le dire. Qu'il y ait de grandes manifestations ou de grandes grèves, c'est quelque chose qui est vraiment la grande exception au Grand-Duché. La paix sociale est garantie au fond par des décisions équilibrées et solidaires prises avec et non contre les partenaires sociaux pour prendre les décisions d'un commun accord. C'est pourquoi la tripartite est l'un des instruments les plus importants dont nous disposons ici en tant que pays. Et ces dernières années, je n'ai pas toujours eu des tripartites faciles, mais je n'ai jamais abandonné le modèle non plus. Et il appartient à tous les partenaires de négociation d'utiliser cet instrument avec solidarité et prudence. Si là on dit que ça ne fonctionne pas ou que la confiance a été rompue, non, le dialogue social fonctionne et les derniers rendez-vous que nous avons eus
C'était, d'après les commentaires que j'ai pu lire des uns et des autres, quand même établi sur une base de confiance. Ce serait pour nous, en tant que pays, qu'est le Luxembourg, une tragédie si notre modèle social de la tripartite ne devait plus fonctionner en tant que crise, ou même être cassé complètement. Je suis donc heureux que le gouvernement se soit mis d'accord avec les partenaires sociaux pour vous, cela a amené l'une ou l'autre frustration, je le sais, car j'avais déjà annoncé lors de différentes déclarations que les négociations allaient se faire à la table de négociation. Je comprends que vous aimeriez en savoir plus avant des désiderata des uns et des autres, mais cela rend plus difficile l'échange. Si que tout le monde rentre dans la décision, dans la réunion pour dire ce dont il ne veut pas absolument, c'est déjà bloqué d'avance. Et cela n'aide personne, que ce soit au niveau des partenaires sociaux, les partis du mal à la majorité, de se profiler les uns vis-à-vis des autres. Non, il s'agit surtout de créer de la confiance, d'avoir du respect les uns pour les autres, pour essayer d'avancer ensemble dans ces négociations en vue de résultats positifs, je l'espère, et pour pouvoir les communiquer à la suite. Il va sans dire que le gouvernement et la Chambre aussi devront, à un moment donné, assumer la responsabilité politique. Les représentants politiques ont reçu le mandat de l'électorat de diriger ce pays dans l'intérêt général, et c'est ce que nous allons faire. Tout en essayant cependant, comme je l'ai déjà dit, de faire tout ce que nous pourrons pour trouver un accord dans la tripartite. Un accord avec des aides concrètes pour les gens jusqu'à la classe moyenne, un accord qui assurera nos emplois, notre prospérité à long terme, et un accord qui nous mènera en toute sécurité pendant l'hiver et au-delà. Cependant, nous savons également que le Luxembourg seul ne peut pas résoudre cette crise. C'est une utopie de croire que nous pourrons résoudre cette crise tout seul. Nous sommes plutôt petits comme pays au niveau de la surface. Nous sommes tributaires d'importations d'énergie du reste de l'Europe. Et une solution Europe est absolument primordiale pour nous pour avoir un quelconque contrôle sur les prix de l'énergie. Le 9 septembre est un rendez-vous important. Monsieur Tourmès pourra vous le décrire pour voir quelle est l'importance de ce Conseil extraordinaire de l'énergie qui se tiendra à Bruxelles. Des négociations auront lieu lors de ce Conseil qui seront de la plus grande importance pour nous. Ces discussions n'auront pas lieu au niveau des chefs d'État et de gouvernement, mais au niveau des spécialistes, les ministres de l'énergie. C'est pour ça que pourquoi nous avons eu aujourd'hui une longue discussion en Conseil de gouvernement sur la position luxembourgeoise que le ministre de l'énergie devrait défendre à ce Conseil à Bruxelles. Le gouvernement s'efforce de trouver des solutions qui, d'une part, entraînent une baisse des prix de l'énergie en Europe, sans, d'autre part, et M. Tourmès l'a dit dès le départ, sans pour autant mettre en péril la sécurité d'approvisionnement de nos citoyens et de l'entreprise. Sur papier, il y a peut-être des solutions simplistes, mais qui auraient par la suite des conséquences difficiles à comprendre et à suivre. Il n'y a pas de tabou de principe pour le gouvernement luxembourgeois à ce niveau. Il y a des annonces qui changent d'une semaine à l'autre. Nous savons que le marché libre ne peut fonctionner que dans des conditions libres et qui étaient valables. Je suis un premier ministre libéral devant vous aujourd'hui. Mais il faudra qu'il y ait des conditions libres et équitables. Mais ces conditions libres et équitables sont fortement affectées par la crise en Ukraine. Et par conséquent, nous pouvons intervenir et interviendrons également sur le marché libre si cela est raisonnable, raisonnable et nécessaire. Parce que les conséquences de l'une ou l'autre décision pourraient avoir d'autres conséquences, je l'ai dit en deuxième lieu. Aujourd'hui, on a eu un très bon article dans un grand quotidien luxembourgeois où cette analyse a été faite par rapport à des points ou des propositions qui ont l'air bien sur papier, mais pourraient avoir des répercussions qui iront beaucoup plus loin. Une taxe sur les bénéfices excédentaires pour les producteurs d'énergie au niveau européen est par exemple une idée que nous soutenons, nous en avons discuté. Avec les revenus de cette taxe, les citoyens de toute l'Europe et aussi du Luxembourg pourraient être soulagés de manière additionnelle. Je suis en train, j'ai entendu le ministre à ce sujet ce matin d'ailleurs, je suis en train de mener des discussions à mon niveau aussi avec différents partenaires européens.
Afin de permettre une telle approche européenne commune, j'ai été à Paris cette semaine, j'ai parlé au président français et à la première ministre française à Paris. Il y a eu des conversations productives et encourageantes pour être informé, pour savoir comment des pays plus grands qui produisent également, pour avoir assez ou non, mais qui sont tributaires quand même des autres aussi, et quelle est leur analyse à leur niveau et à leur envergure à ce sujet. Bon, l'essence du journalisme est telle que je n'ai pas encore ce que vous voudriez, à savoir les détails. Veuillez comprendre qu'à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas donner de détails sur ce à quoi ressembleront exactement ces interventions ou taxes, quelles sont les discussions complexes, quelle serait éventuellement la taxe sur les bénéfices excédentaires, des discussions complexes et techniques, où, comme je l'ai dit, nous voulons également garantir que la sécurité d'approvisionnement du Luxembourg ne soit pas menacée. Et le ministre de l'Énergie devra avoir une certaine marge de manœuvre. Le but est d'en arriver là aussi à un compromis. Donc, un résumé, si vous le permettez, la tripartite sera l'endroit où ces discussions détaillées auront lieu pour savoir comment l'économie luxembourgeoise, les citoyens luxembourgeois pourront avoir des soulagements avec les moyens à notre disposition, comment les emplois pourront être préservés, prospérité aussi, et que l'énergie ne devienne pas un luxe. On ne peut pas se permettre que se chauffer dépende ici au Luxembourg de votre salaire. Et donc, des réformes sont prévues, à prévalence générale, pour ce qui est d'une réduction de la consommation d'énergie. Et c'est une très bonne transition, non pas énergétique, mais de parole à mon ministre de l'énergie, M. Turmes. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci à vous tous et toutes d'avoir pu nous joindre aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais faire un point sur la sécurité de l'approvisionnement. L'hiver, quand Poutine a commencé sa guerre en Ukraine, en Europe, nous étions mal positionnés par rapport au gaz. 30, 35, certains 40% d'importations en provenance de Russie dans les approvisionnements. Alors, la probabilité, la possibilité et la peur, justement, que Poutine utilise le gaz comme élément faisant partie de ses efforts de guerre et que nous, du côté européen, eh bien, pour être honnête, en janvier, février, on n'était pas bien positionné du tout. Qu'est-ce qu'on a fait à l'époque? Et à l'époque, j'ai investi beaucoup d'énergie, justement, pour en arriver là. Eh bien, en un temps record, nous avons créé un règlement européen pour que les réserves de gaz soient remplies en Europe, pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur. Maintenant, Gazprom, qui avait 40 à 50% des réserves de gaz en Autriche, aux Pays-Bas et ailleurs, et en Allemagne aussi, Gazprom a été exproprié alors qu'ils étaient majoritaires dans le stockage de gaz. Et ils ne sont plus là, mais les stocks ont été remplis à nouveau. Donc, nous sommes dans une situation beaucoup plus favorable, notamment l'Allemagne, qui a été éminemment exposée, mais aussi l'Autriche et les Pays-Bas ont vraiment fait leurs adaptations. Avant cela, il fallait bien évidemment parvenir à créer collectivement ce règlement européen des gaz. Et notre responsabilité luxembourgeoise dans le cadre du stockage de gaz a été assurée également. Nos vendeurs de gaz ont contribué leurs 15% de quote-part de leur vente globale pour les faire passer dans les stocks aux différents endroits pour contribuer aux réserves et notre effort en la matière a été fourni. Deuxième élément dont nous avons besoin pour passer l'hiver, c'est la campagne des 15% de réduction de consommation de gaz. Je vais vous donner quelques éléments concernant Luxembourg. Et en une semaine, pratiquement, nous avons pris cette décision au niveau européen. Et depuis lors, tous les pays ont été très conséquents dans la mise en œuvre pour en arriver à ces 15% respectivement. Et un domaine où nous voulons effectivement avancer encore, nous devrons travailler plus intensément. La plateforme d'achat de gaz, eh bien, cela fait l'objet de discussions avec la Commission pour avoir un fonctionnement plus professionnel encore. Pour ce qui est du gaz, il faut comprendre que nous sommes dans un marché de gaz belgo-luxembourgeois. Nous avons des accords très très étroits avec le gouvernement belge. Il y a un Standing Gas Crisis Committee qui se retrouve régulièrement. Et avec les Belges, notre plan d'urgence gaz a été discuté dans tous les détails pour qu'il y ait un rapprochement maximum aussi avec eux. Avant d'en parler de la campagne d'économie, quelques remarques concernant l'électricité. L'électricité,
a été ajoutée comme domaine à souci en février-mars de cette année. Ce n'est pas encore tout à fait clair. Deux facteurs se sont ajoutés qui n'étaient pas encore clairs à l'époque. Ce qu'on savait à l'époque, c'est que si le gaz est moins disponible, puisque selon les pays, on a environ 20% de l'électricité produite via le gaz, eh bien, nous n'aurons peut-être pas tout le gaz nécessaire à notre disposition. Il deviendra plus cher, mais ce qu'on ne savait pas, c'est que de par l'effet climatique, on allait avoir un été aussi sec. Certains pays, l'Espagne, Portugal, mais de manière plus pertinente, aussi en Scandinavie, il y a eu extrêmement peu de pluie. Et donc, les centrales hydrauliques en Scandinavie ont généré moins d'énergie. Avant, ils fournissaient de l'électricité pour les marchés en Europe. Cet hiver, ce ne sera pas le cas. Et un troisième facteur qui n'était pas encore clair en février, malheureusement, il est devenu plus clair que la France a un grand problème de corrosion dans ses centrales nucléaires. Et la France ne parviendra probablement pas à relancer les réacteurs qui souffrent de corrosion pour les relier à nouveau au réseau. Donc, il faudra voir clairement quelle est la conséquence et la réalité de la production en janvier, février, mars pour ce qui est la génération d'électricité en France quand il fera plus froid. J'ai passé beaucoup de temps au téléphone ces derniers jours avec les Allemands. Les Allemands font un Stromstresstest. Un stress test électricité avec certaines hypothèses concernant la France et d'autres pays. Et ce que nous avons pu faire via les discussions de ces derniers jours, c'est que le stress test allemand en matière d'électricité sera reflété au niveau européen immédiatement. Et la NSOE, le rassemblement des distributeurs en Europe, vont créer des scénarios pour voir combien d'électricité on aura en l'hiver, est-ce qu'il y aura suffisamment d'électricité ou pas. Et d'ici vendredi, on espère avoir plus de clarté pour savoir si au niveau de l'électricité, il faudrait lancer une campagne d'économie similaire en Europe à celle du gaz. Et alors, pour ce qui est du Luxembourg, nos 15% de campagne de réduction de consommation énergie ou gaz, en l'occurrence, a été très très bien préparée ces dernières semaines, durant tout l'été, déjà avec des discussions individuelles, avec la task force du gouvernement. Six ministères sont impliqués. Hier, nous avons encore réglé l'un ou l'autre détail. Et aujourd'hui, au Conseil de gouvernement, nous avons adopté ce plan. Et ce plan sera présenté la semaine prochaine, jeudi. Ce qui est important ici, c'est lorsqu'on lance une campagne d'économie de consommation, toutes les personnes doivent être adéquatement motivées et l'État et les communes vont donner l'exemple et nous serons très conséquents dans la mise en œuvre de ces économies. Et alors évidemment, l'économie devra suivre. La bonne nouvelle, c'est que UEL, Chambre de commerce, Chambre des métiers, FIDIL, tout le monde est d'accord pour contribuer de manière adéquate et constructive à la suite des discussions. Et puis, évidemment, aussi une campagne pour les citoyens et les citoyennes. Et tout cela sera présenté la semaine prochaine, jeudi. Entre-temps, nous avons pu mener de nombreuses discussions avec nos fournisseurs pour savoir comment eux voient l'évolution des prix du gaz et des prix de l'électricité. Et la semaine prochaine, nous aurons encore un tour de discussion additionnel avec nos fournisseurs de gaz et d'électricité pour faire le point de manière tout à fait actuelle. Ce qui est important de savoir, c'est qu'ici au Luxembourg, nous avons un des meilleurs systèmes où personne n'est mis à l'écart. Il y a une coopération des fournisseurs avec les autorités sociales. Et la semaine prochaine, on veut voir si le système tient vraiment de bout en bout. Est-ce que le filet, le réseau social fonctionne bien et personne ne l'est laissé. Par contre, le souhait des syndicats, tel que nous les avons entendus la semaine dernière, était de recevoir plus de détails sur la situation de la sécurité de l'approvisionnement et de la campagne aussi d'économie. C'est ce que nous allons faire encore cette semaine. Donc jeudi, vous aurez plus de détails. Et puis, évidemment, cette semaine-là est très importante puisque vendredi, il y aura justement le Conseil extraordinaire de l'énergie pour faire le point au niveau de la sécurité d'approvisionnement pour le gaz. Je crois que nous avons bien avancé. Je voudrais surtout souligner le fait qu'il y a une plateforme commune d'achat. Ça ne tourne pas encore suffisamment bien. C'est important d'améliorer cela. Et il faut savoir où nous en sommes avec l'électricité. Enfin, entendre des Français
combien ils pourront réellement amener à la table, si vous voulez, ou mettre dans les réseaux de distribution l'hiver. Et puis, il y aura une discussion sur les interventions éventuelles au niveau du marché. Comme Monsieur le Premier ministre a dit, un marché n'est pas une fin en soi dans cette situation de crise. Il y a des anomalies, évidemment, et nous devrons intervenir ci et là. Et si nous le faisons, il faudra le faire de manière à éviter de créer plus, de faire plus de dégâts que de bien. La Commission est en train d'élaborer des propositions concrètes. Hier, j'ai eu un entretien téléphonique avec les responsables du dossier au niveau de la presse internationale et dans une station de radio à Luxembourg. Vous avez entendu ou lu les premières idées. Vous savez comment ça fonctionne à Bruxelles. Dès qu'il y a un document, il y a du leak et des premières informations divulguées. Ce que nous retrouvons dans la presse internationale aujourd'hui, à la suite de cela, est effectivement l'orientation à prendre. Oui, pour des interventions, mais des interventions qui ne devront pas mettre en péril la sécurité de l'approvisionnement. Et un pays tel que le nôtre, qui a 100% du pétrole, 100% du gaz à importer, et 70, 75, 80% parfois plus de l'électricité à importer également, eh bien, il est extrêmement important d'avoir des frontières ouvertes. Et juste pour vous donner un exemple, un des modèles que l'on a essayer de faire intervenir au niveau du marché, c'est l'Espagne et le Portugal. Le prix des centrales à base de gaz a été soumis à un maximum et le gouvernement portugais et espagnol paye la différence. Donc il y a une réduction des prix, du coup, dans les deux pays. Mais l'Espagne et le Portugal n'ont jamais exporté autant en France que là. Et le ministre des Finances espagnol a dit, voilà. Moi, je mets autant d'argent à disposition et j'aide indirectement les Français. Et les Espagnols ont décidé hier qu'il y aura 0% d'exportation en France. Donc, il y a un marché intérieur en Europe qui est là pour que les pays s'aident les uns les autres. Et maintenant, on intervient là et on met des embargos et on ferme des frontières. Et c'est exactement ce que nous devrons éviter vendredi prochain. Il nous faut des solutions qui, au bout du compte, permettent de laisser les frontières ouvertes. Si nous n'y parvenons pas, nous risquons effectivement de créer des crises d'approvisionnement et c'est ce qu'il faut éviter. Et en tant que Luxembourg, nous apportons des contributions constructive dans la discussion, et cela obtient maintenant une dimension qui ne concerne pas que la politique de l'énergie. C'est une discussion qui retourne au niveau des premiers ministres, et c'est très bien que nous soyons aussi bien coordonnés, nous deux, avec nos équipes. Merci. Moyenne, Macochat, RTL Télé. Monsieur Thomas, vous avez dit les stocks de gaz sont bien remplis, plus ou moins 80%. Mais c'est un petit peu abstrait. Concrètement, si les Russes ferment le robinet demain, combien de temps pourrons-nous tenir au Luxembourg avec ses réserves? Alors, il ne faut pas commettre l'erreur, et au niveau européen, on ne l'a pas fait non plus. Eh bien, ce ne sont pas les stocks de gaz en Allemagne pour l'Allemagne, les stocks de gaz en France pour la France et aux Pays-Bas pour les Pays-Bas. Non, si on fait ça, là, on est une proie facile pour Poutine. Alors, ce qu'on a vraiment fait valoir de manière proactive, c'est que les stocks de gaz seront utilisés collectivement et les stocks de gaz allemands, eh bien, des entreprises luxembourgeoises en ont en Allemagne, des entreprises autrichiennes en Allemagne. Des entreprises allemandes ont des capacités de stockage de gaz en Autriche, des entreprises françaises aux Pays-Bas. Donc, pourquoi est-ce une bonne chose? Ça nous donne plus de résilience au niveau commun. Il ne faut pas faire l'analyse au niveau d'un stock individuel. Il faut voir les capacités de stockage dans les différents pays. On peut les relier d'ailleurs. Et les importations de LNG additionnellement que nous aurons via Zeebrugge, Rotterdam et bientôt aussi en Allemagne. Mais vous avez parlé de la situation pour l'électricité, éventuelle pénurie. Quelles seront les répercussions sur l'électromobilité? Est-ce que vous encouragez les citoyens à passer une voiture électrique ou garder les moteurs à combustion un peu plus longtemps? Mais bien, ça c'est évidemment une question très difficile. Ce qui me fait beaucoup de peine, c'est de voir maintenant quelle est l'évolution du changement climatique au Pakistan. 30 millions de personnes, je répète, 30 millions de personnes sont concernées.
Ils ont perdu leur chez-soi en 3-4 semaines à l'impact du changement climatique. J'espère que cela répond aussi à votre question. Et clair, tout ce que nous faisons maintenant ne devra en aucun cas ralentir la transition écologique et climatique. Au contraire, ça fait partie de notre stratégie. Ici au Luxembourg, dans les semaines à venir, nous allons travailler pour avoir plus et plus rapidement du solaire, plus et plus rapidement des éoliennes. Tous les premiers ministres de la mer Baltique se sont réunis la semaine dernière à l'invitation du Danemark pour que les capacités éoliennes offshore soient multipliées par 7 pour avoir assez d'électricité pour toutes les voitures électriques et l'électromobilité doit avancer encore plus. Une dernière question pour Monsieur Bettel. Les négociations ne sont pas menées sur la place publique. Il faut être en accord avec les partenaires sociaux, les deux présidents de parti. Ont soutenu les exigences des Verts, des Greens. Vous ne parlez pas entre vous dans la coalition? Non, on parle beaucoup et ça fonctionne très bien. Et ou alors, Monsieur Turmes, Monsieur Bettel a raison, voilà. David Marcus, Le Quotidien, pour reprendre ce point-là. On a l'impression que l'exclusivité des négociations réside seulement auprès du gouvernement et des partenaires sociaux. Vous voulez éviter que les autres partis et la Chambre s'impliquent. On parle de la séparation des pouvoirs. Vous voulez réduire le débat qui pourrait avoir lieu là. Non, non, il ne s'agit pas là. Le fait est que de par les prix de l'énergie, le mécanisme de l'index a reçu un turbo. Nous avons pris l'engagement dans une première tripartite avec les partenaires sociaux encore cette année. On n'avait pas prévu qu'il y aurait encore une deuxième tranche d'index avant la fin de l'année. Nous sommes conscients du fait que la situation est telle qu'en ce moment, pour les citoyens, la hausse des prix est une réalité très sévère. Nous savons que les prix de l'énergie et les factures de l'énergie vont augmenter dans les semaines et mois à venir. Et pour nous, une des prémices de ne pas avoir une deuxième tranche d'index à tomber, mais d'avoir surtout la hausse du coût de la vie qui augmente de manière aussi drastique. C'est un facteur pour se retrouver autour des tables de négociation avec les partenaires sociaux. Nous avons signé quelque chose, mais je dois vous dire que c'est très difficile, pas seulement politiquement, aussi socialement et humainement. C'est très difficile d'expliquer aux gens que si tout devient plus cher, les prêts deviennent plus chers, l'énergie plus chère, le chauffage plus cher, l'essence plus chère, le manger plus cher, tout devient plus cher. Et alors le mécanisme que nous avons ici au Luxembourg, où on a une certaine compensation quand même, trouverait 0% d'application. La réponse sera préparée ensemble avec les partenaires sociaux. Mais d'un côté, nous devons préserver les emplois, mais d'un autre côté aussi, essayer de ne pas compenser la qualité de vie ou de garantir, mais quand même faire tout ce que nous pouvons pour que la qualité de vie reste aussi favorable que possible. Une période difficile nous attend, nous savons, et notre rôle en tant que gouvernement est de trouver un équilibre pour ne pas créer à la suite une crise de l'énergie, une crise sociale en plus au Luxembourg, et c'est une pure compétence du gouvernement de négocier tous ces points-là. Mais au niveau du timing, les factures explosent déjà pour le gaz à partir d'octobre. Quand on sait quelle est la longueur des procédures de négociation de la tripartite et alors l'exécutif après, on n'a pas peur et c'est un petit peu l'idée des Greens de cette semaine, le facteur temps, pour que cela n'intervienne pas trop tard pour avoir vraiment un soutien à la population dans cette. J'ai un rendez-vous le 14 septembre. C'est la rapidité possible. Et j'ai bloqué 3 jours juste après pour avoir la tripartite. 3 jours bloqués, mais ce sera pour être plus aussi. Alors, moi, je serais content si nous pouvions trouver un accord le plus rapidement possible. C'est une question de la responsabilité de tous les partenaires. Je dis bien tous les partenaires, pas seulement le syndicat, aussi le patronat et le gouvernement, donc les représentants politiques. Laurent Schmitt, reporter.lu. C'est un petit peu la question aussi, quelles seraient les mesures pour délester un peu la population? Est-ce qu'on a fait un point avec la ministre des Finances, peut-être, pour savoir
Quand et comment un contre-financement est envisagé pour augmenter des taxes ailleurs, pour compenser? Quelle est l'état actuel des discussions? Eh bien, et on a connu des périodes budgétaires plus agréables, évidemment. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités et voir quelles seraient, à la limite du possible, les aides. Ne m'en voulez pas, je n'ai pas encore de chiffres, je n'ai même pas encore entamé les discussions avec les partenaires sociaux. Ces discussions auront lieu, justement, alors que le budget, la situation budgétaire sera à présenter avec Mme Backes et les partenaires sociaux pour avoir le même point de départ déjà, pour savoir quel est le point de départ, quel est le potentiel, quelles sont les éventuelles aides. Ne m'en voulez pas, je ne peux pas discuter aujourd'hui de ce qu'il pourrait y avoir comme changement au niveau des coûts et des compensations et vous demander en plus si on peut compenser par d'autres taxes. Donc ça, c'est toujours pour moi la dernière solution. Il y a un grand nombre d'autres solutions qui se présentent avant cela. Un premier élément, très important d'ailleurs, un rendez-vous. Personne n'a posé une question à ce sujet, Monsieur Thomas. Eh bien, ça l'arrange, mais il y a une campagne pour l'économie d'énergie aussi la semaine prochaine. Il ne faut pas réduire son importance. Le but n'est pas de voir après quelles seraient les aides financières pour utiliser le même volume d'énergie. Non, le but est de parvenir tous et toutes, par l'effet de solidarité déjà parmi nous, là où ce n'est pas absolument nécessaire, produire quand même un effort additionnel. Et ça va de A à Z. On peut se demander, est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je peux le faire différemment ou ne pas le faire du tout? Et à ce moment-là, excusez-moi si je l'ai dit, et pas seulement pour des questions climatiques, mais aussi pour des raisons climatiques, évidemment, eh bien, d'autres habitudes à prendre, pour avoir des réunions à ce sujet et des solutions en plus. Et la réunion de la semaine prochaine a prévu cela. Des éléments volontaires. Tout le monde doit comprendre qu'il ou elle fait partie de la solution. On ne veut pas adopter des lois pour imposer des choses ab initio. On veut emmener la population pour dire ensemble, nous pouvons déjà produire des résultats pour pouvoir éviter éventuellement des contraintes par la suite. Puis encore une question pour Monsieur Thomas. Qu'en est-il des fournisseurs d'énergie qui vont quand même avoir des contraintes de cash flow assez importantes à l'étranger. On a déjà des fournisseurs qui ont dû être sauvés par des mesures d'État ou un acteur qui a disparu au Luxembourg. Qu'en est-il? Eh bien, c'est un problème très sérieux que nous discutons avec les fournisseurs régulièrement. Nous avons des points qui sont pris avec eux régulièrement. Est-ce que vous avez des problèmes de tel ou tel domaine? Et avec le gouvernement, nous avons commencé des discussions concrètes dans la tripartite. Nous avons la liquidité de 500 millions pour les entreprises et nous sommes en train de voir, lorsque une nécessité devait voir le jour, comment ce fonds pourrait être utilisé pour une entreprise d'énergie qui aurait des problèmes de liquidité. Nos entreprises, et je dois vraiment le leur dire sous forme d'un grand merci, nos entreprises sont gérées de manière sérieuse. Et nous lisons dans la presse autrichienne, il faudra voir par la suite quel genre de transactions ont été mentionnées là. Eh bien, nous avons cela sur notre radar, nous avons en cas de nécessité un instrument prévu à cette fin et nous sommes en contact permanent avec nos fournisseurs pour savoir si éventuellement ils ont un problème ou non. Monsieur Vilcin. Vilcin Tagblatt, une question pour vous. Monsieur le Premier ministre, vous dites que tout cela devait être décidé d'un commun accord avec les partenaires sociaux, mais avant, il y avait déjà une table d'énergie. Pourquoi ce n'est pas une option maintenant? Ça aurait pu être une option ici, dans le fait que nous savons déjà que l'index est soutenu par les prix de l'énergie, évidemment, et la réponse ne peut pas seulement être énergie ou index. L'un a un lien avec l'autre. Pour moi, il est important d'avoir une proposition commune à élaborer avec les partenaires sociaux pour voir comment, au fond, le coût lié à cette hausse peut être réduit à un minimum possible. L'un est lié à l'autre, tout simplement. L'un est lié à l'autre et pour moi, il est important que les
partenaires sociaux sont à nos côtés dans l'énergie, des tables d'énergie. Certains auraient aimé être là aussi. Mais pour nous, il était important à l'époque, avec les providers, les fournisseurs, d'avoir un tel échange. C'était très informatif et très important. Et c'était déjà bien longtemps avant l'aggravation de la crise, évidemment. Mais je préfère avoir trop ou plus de dialogue social que pas assez. Question pour M. Thomas, question du collègue de RTL avait déjà abordé si la Russie arrête les livraisons de gaz, comment s'en sortir Luxembourg, si on ferme le robinet complètement. Qu'est-ce qui est prévu? Eh bien, il y a des pays qui sont exposés plus fortement par rapport à cette fermeture du robinet de la Russie. Slovaquie, Autriche, Allemagne, des pays moins exposés, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, puisque nous sommes directement positionnés à côté de Zeebruges, Rotterdam, pour les livraisons de LNG avec les infrastructures déjà existantes. Donc nous avons été moins concernés que l'Allemagne, mais si l'Allemagne devait être extrêmement concernée, cela aurait des répercussions. Si BASF à Ludwigshafen ferme, je ne sais pas si Robin, Dupont ou les autres usines chimiques recevront encore leurs matières premières chimiques. Donc il en va d'un intérêt commun d'être vraiment solidaire dans la gestion de la crise du gaz. Et je dois dire que si elle a, l'Europe est un petit peu lourde et lente, mais pour la crise de gaz, en 2 mois, nous sommes parvenus à élaborer un règlement sur les stocks de gaz. Et sur cette base-là, Gazprom a été exproprié et les stocks de gaz sont remplis à d'une très large mesure. Et en une semaine, une campagne d'économie de consommation de gaz de 15% a été élaborée. Nous allons le mettre ensemble tout ça. Et si la plateforme d'achat de gaz fonctionne encore mieux dans un avenir proche, eh bien, le chantage de Poutine ne prendra plus parce que nous aurons suffisamment de gaz et restera encore le problème du prix du gaz. Mais bien, si les marchés ont la certitude que les stocks de gaz sont suffisants, il y aura une tendance à la baisse déjà pour les prix. Et depuis 2-3 jours, ça c'est intéressant, le pic, qu'a fait la Russie la semaine dernière? La semaine dernière, ils ont sorti le gros bazooka Nord Stream 1, avait soi-disant de nouveau un problème technique. Et Nord Stream 1, c'est le gazoduc le plus important. C'est vraiment la menace maximum de mettre ça à zéro. Et Gazprom a promis des livraisons en très grand style à Engie, France, Belgique. Eh bien, ils ont mis à zéro les contrats. Tant que les marchés se sont écroulés la semaine dernière, il devait y avoir une hausse des prix à l'infini. Les marchés ont augmenté, évidemment, mais depuis qu'il est clair. Et c'était d'ailleurs la déclaration du chancelier fédéral Scholz et la publication de la part de la Commission avec les niveaux de remplissage des stocks de gaz. Et le résultat, c'est que les Allemands, en un temps record, à Wilhelmshaven, sont en train de créer ce terminal de gaz liquide, et ce qui a eu comme conséquence que les prix du gaz ont déjà chuté. Cela montre à quel point il est important de travailler ensemble, d'être conséquent et rapide dans la mise en œuvre de mesures. Pour le gaz, ça a été fait. Et si pour l'électricité, il devait y avoir un problème, je suis convaincu que vendredi prochain, nous aurons déjà une série de bonnes mesures à prendre, comme par exemple une campagne européenne de réduction de la consommation d'électricité et quelques nouvelles mesures pour le marché de l'électricité. Peut-être encore revenir au niveau national. Est-ce que ce ne serait pas une possibilité, vous dites, intervenir au niveau du marché serait une possibilité? Est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité d'utiliser les réserves des stocks de gaz au Luxembourg pour réduire déjà un petit peu le prix de manière transitoire jusqu'à ce que des mesures de la tripartite pourraient prendre. Il faut savoir que les stocks de gaz sont là pour assurer la sécurité d'approvisionnement. Mais les volumes des stocks de gaz ont été achetés à un certain prix. Et au niveau des factures que Enovos ou Zut Energy vont émettre pour le prix, eh bien, ces quantités sont incluses dans le prix. Donc si nos fournisseurs n'avaient pas rempli leur stock de gaz à un moment où le gaz pouvait être acheté à un meilleur prix, eh bien le prix maintenant serait encore plus élevé. Nous parlons de hausse de 70-80%. Au niveau du marché, le prix a été
de 400 ou 500% dans sa hausse, via le fait que les entreprises ont une responsabilité lors des achats pour les mises en réserve dans les stocks de gaz. Alors, il y a l'opérateur du stock de gaz et puis il y a le fournisseur de gaz qui est obligé de fournir les volumes. Il y a une obligation via le règlement européen aussi. Et cela aide pour avoir 70-80%, c'est de la sécurité d'approvisionnement, et 10 à 20%, c'est au moment du remplissage des stocks de gaz, avoir alors un meilleur prix que maintenant, où il faudrait éventuellement l'amener au marché. Donc cela a aussi un effet de réduction de prix. Et c'est le cas pour le Luxembourg. Donc les hausses que nous avons vues pour Enovos et pour Suite Énergie, eh bien, c'est déjà réduit en partie lié au fait que le gaz a été stocké à un moment plus favorable. Moyenne. Pour RTL Radio, on a couvert un grand nombre de matières, peut-être pour reprendre le nôtre point. Pour ce qui est de l'index, vous avez dit application 0% de l'index, ça ne fonctionne pas non plus. Et alors, si la prochaine tranche tombe pour avril 2023, ce sera alors remis à avril 2024, ou est-ce qu'il y a une modification possible par rapport au dernier accord en décembre 2023 quand même encore? Est-ce que c'est une option qui est au moins sur la table? Je négocie avec les partenaires sociaux, je le dis une fois de plus. Vous avez des... Non, donc on peut parler d'avis personnel, mais la négociation se fait en tripartite avec les partenaires sociaux, pas ici. Bon, question suivante par rapport à la proposition européenne. Vous soutenez celle qui est sur la table maintenant. Comment faut-il comprendre ce que vous avez dit, qu'il faudra créer une maximalisation du prix, donc un niveau maximum imposé d'un côté, et garantir la sécurité de l'approvisionnement de l'autre côté. Est-ce que le prix doit devenir plus cher pour que l'on ne consomme pas trop? Est-ce que c'est ça la réflexion? Non. Non. Non, ce n'est pas le lien à ce niveau-là, non. Vous ai donné l'exemple de l'Espagne et du Portugal. Une mesure a été prise, mais elle aide un petit peu l'Espagne et le Portugal, mais détruit le marché intérieur. En France, c'est quand même désastreux. À un moment où la France aurait besoin des pays voisins, d'avoir alors un pays qui pourrait fournir 5, 6, 7%, qui dit: ah non, on arrête les livraisons. Là, il faut vraiment faire attention pour ne pas procéder à des interventions qui vont créer une fermeture des frontières. C'est un petit peu une politique comme au début de la crise Covid. Si on arrive à un système où tout le monde essaie de faire valoir uniquement l'intérêt national et de se couvrir, lors de la période Covid, on a appris que nous sommes devenus vraiment bons lorsque des solutions européennes ont été trouvées pour la crise Covid, les achats communs, la réouverture des frontières, et pour l'électricité et le gaz, c'est essentiel. Si au niveau du marché du gaz, eh bien, le jour où, je ne sais pas, la Belgique et les Pays-Bas ne livrent plus à l'Allemagne, l'Allemagne sera fortement fragilisée. Et cela aura des répercussions. Nous devons trouver une solution qui réduit la hausse des prix, mais qui assure en même temps la sécurité de l'approvisionnement. Mais vous avez dit, voilà, une solidarité, en fait, entre les pays de l'Union européenne, et vous demandez la solidarité à ces pays aussi par rapport aux mesures d'économie que vous allez présenter. Est-ce que des pénalités sont prévues pour les personnes qui ne respectent pas? Je laisse les lampes allumées, ou je chauffe ma piscine, ou entités industrielles qui ne jouent pas selon ces règles, ou en Europe aussi. Bon, le Luxembourg n'est pas le plus petit des consommateurs. Pourquoi couvrir ceux qui feraient plus d'efforts? Est-ce que des mécanismes sont prévus? Eh bien, il y a deux phases au niveau du plan européen. Une première phase avec des mesures volontaires pour réduire la consommation de 15%, c'est la phase actuelle qui a été entamée. Et si les 15% d'économie volontaire ne devaient pas être suffisants, ou alors de problèmes dans les livraisons de gaz, la Commission européenne pourrait faire une proposition. Il faudrait une majorité des ministres de l'énergie pour rendre les mesures contraignantes. Ici, au Luxembourg, nous sommes préparés. La première phase est volontaire et vous verrez la semaine prochaine, jeudi, que c'est un plan très réussi, élaboré avec un grand nombre d'acteurs pour réussir à obtenir ces 15%. Et puis, nous avons prévu aussi
que de par un règlement grand ducal, différentes mesures pourraient être rendues obligatoires. Et alors, il faudra prévoir que si cela ne devait pas fonctionner, on pourrait arriver dans une situation où il faudra bloquer des accès ou fermer les robinets. Et ça, c'est un plan à élaborer pour d'ici fin septembre, à remettre alors à Bruxelles aussi. C'est une donnée qui sera discutée vendredi. Jusqu'ici, on parlait des économies de consommation de gaz. Si vendredi, tout le monde est d'accord qu'il faudra faire des économies pour l'électricité aussi, il se pourrait qu'on ait des éléments électricité ajoutés au plan d'économie. Mais cela se fait de manière conséquente. Nous sommes dans la première phase, volontaire. Le Premier ministre a déjà lancé un appel très réussi. Il s'agit vraiment de parvenir tous ensemble avec l'État et les communes comme exemple. Les communes participent vraiment très bien, vous le verrez. UEL, toute cette communauté, toutes les entreprises participent. Et en fait, la population sera plus motivée. Si tous les autres acteurs de la société le font, ils seront motivés pour le faire. C'est une dernière question. Je ne sais pas combien de personnes partagent l'avis, mais ADR dit que les prix de l'énergie augmentent parce que vous avez décidé des sanctions contre la Russie. Non, ça c'est une question pour monsieur le Premier ministre. C'est difficile de trouver les mots. Est-ce qu'on aurait dû laisser faire lorsqu'un grand voisin attaque un autre pays voisin en Europe? Est-ce qu'on n'aurait pas dû pas réagir à l'époque où nous avons été attaqués par un grand voisin? Je suis très content, soyons vraiment solidaires en essayant d'éviter une troisième guerre mondiale et d'essayer par le biais de sanctions de trouver une solution. Il faudra voir si ces sanctions seront couronnées de succès. Les moyens sont limités, mais je suis fier que l'Union européenne défende les valeurs de la démocratie et de l'état de droit international et des droits des peuples de vivre en liberté. Et je suis content que nous ayons pu maintenir cela. Et M. Carter, merci de poser cette question. Je suis content que des gens qui n'étaient pas nos voisins sont venus pendant la Deuxième Guerre mondiale pour nous libérer et ne pas réagir n'est pas une option. Bon, j'ai été choqué par certains énoncés. Depuis cette déclaration de M. Carter, il est plus clair où il se positionne politiquement. C'est la même position que AfD, Le Pen, différents représentants en Italie. C'est la même position. Bon, je crois que cette interview à la radio a rendu les choses beaucoup plus claires à cet égard. Monsieur Thomas a une réunion à 14h. Merci. Johannes qui me dit de Pepper Jam, donc des sujets un petit peu plus légers que cette dernière question, mais je voulais juste vous demander, monsieur Bettel, vous avez dit tout à l'heure que chacun de la tripartite doit être prudent et solidaire. Est-ce que c'est une manière de dire que la manière de faire des Greens cette semaine, d'avoir une proposition finalement indépendante, n'était peut-être pas la meilleure façon de faire, justement, selon vous? Je suis juste de choses autres. J'ai dit au préalable que je suis chef de gouvernement. Et il y a des représentants des graines et des rouges et des bleus dans le gouvernement. Et ensemble, nous faisons la politique que nous trouvons adéquate. Et je ne vais pas partir dans une surenchère à cet égard. Les discussions que je mène sont au niveau du gouvernement. Nous sommes tout à fait d'accord. Et du coup, on est là, ici, tous les deux, pour vous prouver, justement, qu'il n'y a pas une feuille de cigarette entre les partis du gouvernement pour ce qui est de l'analyse des partis de la coalition. En tout cas, les membres du gouvernement. Justement, qu'une annonce, une proposition comme ça sorte, entre guillemets. Je ne suis pas porte-parole des Green et je n'organise pas leurs conférences de presse. Z, vous expliquiez tout à l'heure que vous attendiez les résultats de l'accord tripartite. Est-ce que ça veut dire qu'on aura un bouquet, entre guillemets, d'aides comme lors des dernières annonces, ou on peut s'attendre quand même à des aides qui vont être annoncées ponctuellement en amont de la tripartite?
Monsieur Thomas et moi l'avons confirmé. Et cela revient à votre question antérieure, d'ailleurs. Avec les partenaires sociaux, nous voulons élaborer tout un package. Les hausses de prix de l'énergie auront des répercussions sur l'index. On a lancé un turbo pour l'index et il est important pour nous d'analyser tout cela ensemble. Au niveau des aides sur les carburants, donc elles se sont arrêtées il y a 2 jours, alors que des pays, par exemple comme la France, à l'inverse, ont augmenté leurs aides. Est-ce que c'était pas possible, entre guillemets, de prolonger encore une fois les aides sur les carburants? Vous attendez là encore d'avoir des accords au niveau de la tripartite pour peut-être avoir de nouvelles aides au niveau des carburants? Alors, on s'était mis d'accord pour prévoir un certain délai. Il y a une prolongation d'un mois, ça faisait l'objet d'un accord, et on a mis en œuvre cet accord.